Wesh l'équipe, c'est TNR, je te retrouve pour une vidéo. Donc on va faire le glitch de duplication que j'ai présenté pour vous dire qu'il marche encore. Mais faites attention car les risques de bannissement sont plus grands que d'habitude. Donc parce qu'il y a le nouveau DLC qui va sortir. Donc je vous conseille simplement de... moi je vous conseille de faire une duplication tous les 24 à 30 heures. Je vous conseille ça. Donc... au niveau des duplications, ce qui est tout simplement, donc vous faites qu'une seule duplication, vous la revendez et puis voilà, c'est tout. Après vous arrêtez, sinon les risques de bannissement seront plus grands. Après je sais pas, moi je vais faire des missions, je vais faire mon but de duplication, puis ensuite je vais faire des missions. Je ne sais pas si les missions peuvent enlève le pourcentage de que les gens que Rockstar remarque que vous glitchez, ça j'en ai aucune idée, mais ce que je sais c'est qu'il y a un certain risque de bannissement et donc de faire qu'une seule dupli. Donc là pour ma part je suis à 8 millions donc voilà, donc tout ce qui va... Là je positionne la voiture comme je vous ai dit dans le glitch. Donc tout remarche, Rockstar ne sont pas cassés les pieds. Au lieu de patcher le glitch, vu qu'ils bossent sur un DLC, ils ont décidé de directement mettre des risques de bannissement. Je préfère vous prévenir. Donc là j'ai le petit message d'alerte parce que j'ai le rond bleu. Oui, donc je vous rappelle aussi qu'il vous faudra un bunker. Donc un warstock, là il vous faudra un bunker avec un centre d'opération mobile. Il faudra le Huller Custom, c'est super important. Module 3, dépôt de véhicule. Voilà. Puis ensuite il vous faudra soit une arène, soit une boîte de nuit. Du coup la boîte de nuit elle est mieux que l'arène parce que la boîte de nuit tout simplement... Et bah elle... ça marche, l'arène ça marche une fois sur deux. Du coup je vous conseille la boîte de nuit. Pour ma part, elle est là. Donc dedans, ça marche avec l'entrée. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les garages, ça marche avec l'entrée. Pour ma part, j'ai les garages, donc on va faire avec les garages. Donc là, on va se téléporter sur mon appartement. Donc les gars, si vous voulez d'autres glitchs ou d'autres vidéos tout court, n'hésitez pas à lâcher un like. Donc mettez un petit peu de commentaire. Constructif ou un petit commentaire gentil, vous voyez, quelque chose comme ça, et puis abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Donc aussi voilà, donc là je vous reprends parce que je peux pas vous filmer le menu de la PS4. Donc là les gars, le but, je vais pas trop vous l'expliquer, je vais faire bref un petit peu, mais si vous voulez vraiment les détails, regardez ma vidéo glitch de duplication où j'ai mis tout un fait les détails. Donc là tac, là on est là, on se rend là. Donc aussi je me rappelle plus ce que je voulais dire. Bref là on se casse, on va dans le appartement. Là, on va tranquillement dans notre appartement. Ah oui, et voilà. Et aussi, pour ceux-là qui ne savent pas ce que c'est le bannissement, enfin, les risques de bannissement, le bannissement en soi, même si je pense que tout le monde qui regarde cette vidéo le sache, oui, je sais pas ce que ça veut, si ça veut se dire, mais si ça se dit, mais voilà. Donc en gros c'est je vous explique, en gros c'est comme si par exemple là, vous avez un compte niveau 1000 et tout, c'est comme si Rockstar ils arrivaient, ils vous enlevaient votre personnage, du coup vous avez plus rien et ils vous remettent un autre personnage parce que bah c'est comme ça, parce que c'est pas de l'argent légit, c'est pour ça que en gros c'est... Après ça peut aller plus loin parce qu'ils peuvent vous bannir du PlayStation Network et tout, et là vous pouvez carrément plus, faut acheter une console et tout, c'est galère. Bref,
Donc c'est pour ça que ce que je vous dis, faut y faire attention, faut vraiment faire qu'une duplication par jour. Parce qu'en ce moment les gens qui se font bannir, ils sont augmentés, logique. Je pense que c'est en rapport avec le DLC, donc là je vous le fais, tac. Donc pour ceux qui savent comment j'ai fait pour ma vidéo, au moins vous savez si ça marche ou pas. Donc là, tac, tac, tac. Tac. Donc là, on se fait bugger. Il faut que je fasse attention parce que c'est une session qui marche pas. Je crois celle-là, là, si elle marche. Voilà, du coup, là, on est bugué. Théoriquement, voilà. Donc là, on va se rendre. J'ai dit à mon petit. On va se le faire avec notre arène, vu que c'est celle qui est plus proche. Sinon, je vous conseille avec la boîte de nuit. Du coup, avec la boîte de nuit ou l'arène, c'est la même chose. Hein. Vous rentrez dans vos garages, vous prenez le véhicule et puis vous accélérez. Hein. C'est la même chose dans les deux. Je préfère vous prévenir. Donc là, je peux pas vous filmer le menu. Du coup, je vais faire la technique. Hein. Hop, le lait. Donc, mon PC, c'était NYTB comme ça. Si les abonnés veulent m'ajouter, voilà. Je pense que je vais mettre en description. Donc là, je me retrouve comme ça. En vrai, c'est tout simple hein, comme glitch. Hein. C'est juste, ça demande beaucoup, ça demande quand même du temps, mais genre, c'est tout simple. Hein. Le plus dur, ça va être quoi? Ça va être la technique pour les appartements. Mais franchement, la technique pour les appartements, c'est hyper simple. Hein. Les gars qui arrivent pas, je comprends pas trop en fait. Donc là, voilà, qu'est-ce que j'ai dans ce garage? J'ai pas grand-chose, mais j'ai mis les guides. C'est parfait, parce que sinon j'aurais été obligé d'être en casse-commande. Je vous cache pas que j'aurais pas eu la foi. Donc là, voilà. Là, on se rend à l'endroit au bunker. Et oui, jamais. Comme d'habitude, on utilise la manipulation de la téléportation. Parce que les gars, il ne faut pas en fait sortir dans un véhicule personnel. Vous pouvez prendre un véhicule si vous n'arrivez pas à faire la technique de téléportation. Vous pouvez prendre un véhicule personnel normal, c'est-à-dire enfin, un véhicule de PNJ. Parce que le véhicule personnel, si vous en sortez un, bah, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que. Et ici, la ici anticipation classique, votre véhicule a dupliqué quoi. Et il va se remettre dans votre. Il va se remettre dans votre. Comment dire, dans votre centre d'opération mobile et du coup, vous pouvez pas faire la manipulation. Bref. Et les gars, aussi, je pourrais vous dire un truc. Donc, il y a un glitch en solo où vous pouvez. Wallbrush des choses et puis vous pouvez rentrer dedans de faire des découvertes. Donc si vous voulez savoir le glitch, dites-le moi en commentaire parce que bon, le problème c'est qu'il se fait à deux, mais comme ça vous pourrez visiter des endroits secrets que vous avez en tête, des petits trucs comme ça. Donc moi pour ma part je suis allé dans la en fait faut lancer une mission, faut faire un truc et donc je suis grâce à ce glitch là j'ai réussi à aller dans sous les comptoirs de la Futa Bank. Je suis allé dans un magasin de vêtements alors que normalement dans l'émission on peut pas aller dans les magasins de vêtements. Je peux faire ci, donc vous pouvez mettre aussi en commentaire si vous voulez ce glitch de Wallbrush. Donc c'est un glitch pas d'argent, il n'y a aucun risque de ban. C'est un glitch vraiment en plus de découverte. C'est voilà donc. Ceux-là qui n'ont pas des modes manuels et qui peuvent pas voir à travers des choses, bah du coup c'est vraiment bien. Donc là, hop, on termine la manipulation. Donc là, tac.
Par contre, je veux pas. Enfin. Je vais vous montrer. Allez, je vais vous montrer la preuve comme quoi que. Le glitch marche bien. Donc là. Voilà. On sort. C'est vraiment un glitch, genre il y a zéro compliqué et c'est pas compliqué, mais il risque de pas dans ce moment. Je pense que c'est pas forcément sur ce glitch là, c'est sur tous les glitchs. Parce que voilà. Donc là les gars, en ce moment vous faites une fois ce glitch pendant. Ensuite vous fermez l'émission et vous faites une fois ce glitch. Vous faites comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc regardez vite la vidéo, je vous préviens. Parce que donc si parce que le DLC va bientôt sortir, donc voilà. Donc aussi du coup activez la cloche de notification pour savoir quand je chauffe une vidéo. Donc après le problème c'est que parfois les cloches des notifications elles bug, mais parfois elles ne bug pas. Du coup vous avez plus de chances d'avoir de savoir quand je fais une vidéo. Avec les lives je me suis rendu compte que ça bug, bon. Parce qu'il y a un abonné qui m'a dit qu'il avait activé la cloche de notification mais qu'elle marchait pas, enfin voilà. Mais je pense que ça doit ça, il y a certaines personnes où ça marche, il y a certaines personnes où ça marche pas. Donc là logiquement voilà, vous spawnez parce qu'après c'est que enfin voilà, vous avez ce point de TP, dernier truc où vous êtes rentré. Là on est tranquillement là. On peut vous dire, moi je ne savais pas avant que tout simplement que le glitch de duplication il avait des très gros tickets de bannissement. Je savais qu'il en avait un petit peu mais pas des très gros. Du coup moi j'ai eu de la chance, je me suis pas fait bannir, mais faites pas comme moi franchement. Donc là, mécano. Vous avez vu que avec ma petite vidéo, enfin, je vous ai montré. Ah bah il est là. Je vous ai montré que le centre d'opération mobile était plein. Vous avez vu. Donc là, je vais dans le centre d'opération mobile. La livraison en cours, vous voyez bien que je peux. Ça marque, il y a déjà un véhicule personnel, ça veut dire qu'il y en a forcément un dedans, je vous ai montré au début. Donc sur ce, on va se laisser là-dessus. Hein. Donc écoutez-moi bien sur les risques de duplication, les risques de ban. Donc je suis en aucun cas responsable du risque de bannissement. Hein. Bref, c'était Tana et puis ciao.